Bonjour, mes chers élèves de CO2. Je vous présente arrêt bilan numéro 2. Je vous propose évaluation et rémédiation. On va commencer par évaluation. Alors ici, on doit souligner les bonnes réponses. D'accord? Dans chaque phrase, souligne les verbes conjugués et crée son infinitif. Et complète les phrases avec des expressions commençant par A ou E. La partie de remédiation, chers élèves de CO2, vous pouvez prendre s'il vous plaît votre cahier d'activité, suivez avec moi page 5. Remédiation, complète avec E ou E. Il y a une différence entre ET et EST. Alors, E ou E. Complète avec son ou son. Écris les phrases en mettant le sujet au pluriel. Page 59. Alors là, révélons les modules. Évaluation. Voici donc la correction. Souligne les bonnes réponses. Deux formes du verbe avoir, il y a A et O. D'accord, ça s'écrit avec O et T. Deux mots invariables, ce sont les deux. A avec l'accent et ET. D'accord, soulignez s'il vous plaît. Deux formes du verbe être, c'est E. D'accord, et sont. Vous avez compris maintenant? Alors les autres, non. Alors, en déterminant, il y a 100. S-O-N. Alors, je répète. Deux formes du verbe avoir, a et on. Deux mots invariables, c'est a et e. Deux formes du verbe être, c'est et son. Indéterminant, c'est son. Alors, dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué et écris son infinitif. Par exemple, ici, il est un peu plus grand que mon frère. Alors ici, EST, le verbe aussi, c'est le verbe être. Ma sœur a toujours le temps de rendre service. Bien sûr, c'est le verbe avoir. Les élèves ont beaucoup de livres, c'est le verbe avoir aussi. Mes parents sont contents de mon travail, c'est le verbe être. Alors, elle est un peu plus grande que mon frère, c'est le verbe être. Ma sœur a toujours le temps de rendre service. C'est le verbe avoir. Les élèves ont beaucoup de livres. C'est le verbe avoir. Mes parents sont contents de mon travail. C'est le verbe être. Complète les phrases avec des expressions commençant par A ou E. Par exemple, on dit tous les matins, je vais à l'école. Avec A. Elle prend son manteau et ses gants. Avec E. Les voisins sont serviables et gentils et courtois. C'est E avec ET. C'est la même chose ici. Les spectateurs applaudissent et sifflent. D'accord? On ajoute ici. Voilà. On passe maintenant à la correction de remédiation. Remédiation. Alors, la partie de remédiation, voici la correction du premier exercice complète avec E. C'est un mot invariable. E, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. On dit cette partie de carte A, ça s'écrit de cette façon, est très intéressante. Il pose un dominant et, regardez, ça s'écrit de cette façon, c'est un mot invariable. Il pose un dominant et attend son tour. Il relie bien sûr les deux phrases. Ce joueur est blessé à la cheville. Mon frère joue avec habileté et intelligence. Maintenant, complète avec son ou son. On dit son ordinateur est encore en panne. Ses jeux sont très connus. Son frère joue trop souvent à la console. Les garçons sont intéressés par les jeux vidéo. Les jeux électroniques sont parfois trop chers. Alors, complète avec son ou son. On dit son ordinateur est encore en panne avec un déterminant. Ces jeux sont très connus. Son frère, déterminant.
Son frère joue trop souvent à la console. Les garçons sont intéressés par les jeux vidéo. Les jeux électroniques sont parfois trop chers. Troisième activité, dans quelques instants. Voilà. Écris les phrases en mettant le sujet au pluriel. Lisons d'abord les phrases. Mon frère a rendu visite à mes grands-parents. Mon voisin m'a montré des photos anciennes. Il a aidé la voisine à déménager. L'électricien a donné des conseils à l'apprenti. Mon frère a rendu visite à mes grands-parents. On dit mes frères ont rendu visite à mes grands-parents. Mes frères. C'est-à-dire, au lieu de mettre mon frère, on dit mes frères. Mon voisin m'a montré des photos anciennes. On dit mes voisins m'ont montré des photos anciennes. Il a aidé la voisine à déménager. On dit ils ont aidé la voisine à déménager. L'électricien a donné des conseils à l'apprenti. On dit les électriciens ont donné des conseils à l'apprenti. Voilà. Mon frère devient mes frères. Mon voisin devient mes voisins. Il a aidé, il devient, ils ont aidé. L'électricien et donc les électriciens. Les électriciens ont donné. Les électriciens. Mes frères ont rendu visite à mes grands-parents. Mes voisins m'ont montré des photos anciennes. Ils ont aidé la voisine à déménager. Les électriciens ont donné des conseils à l'apprenti. C'est ça la correction de cette page 659. D'accord? Vous avez bien apprécié cette vidéo? Voilà, vous pouvez partager avec vos amis. Merci. À la prochaine.